Assuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. C'est Jésus, consolateur, ce merveilleux consolateur. C'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est le trésor de mon existence est mon sauveur, mon Seigneur. Jésus, ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence est mon Seigneur. Yeah. À présent je vis ma vie. Yeah, 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 yeah. Rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. Consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est Jésus. Mon sauveur, mon sauveur, Seigneur, qui s'appelle Jésus. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Trésor de mon existence, c'est Jésus. Mon sauveur, mon sauveur, mon Seigneur. Il me comble de bonheur à l'honneur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez mon émotion. J'ai le cœur indescriptible. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Ce merveilleux, merveilleux, merveilleux Jésus, consolateur, ce merveilleux consolateur, celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Trésor de mon existence, je me sens vivre seulement parce que
alors je le chante. Une belle histoire d'amour entre toi et moi, toi et moi. Tu es mon prince charmant. Je le chante. Une belle histoire d'amour entre toi et moi.
ce n'est pas Yasolo, c'est lui qui est Kéron, Zambé Nali, Kolo, 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 Kolo. Zambé Asana, Nabo Moi Nayo, Neko Fumu Mola Mote Mabo. Yeah. Ain't gon' make no stick and stone worship. No, 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 they slay me. Yet will I praise you. Ah. Every time I think of you, Lord, I need that to die for me, Lord. And this love you show to me, hearing joy will taste my heart. Even though I don't deserve it, by your grace and mercy, you've earned it. Hey, your blessings I can't count it. It's my start again. Yeah.
créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ son Fils unique, qui donne la vie éternelle à quiconque croit à sa mort et à sa résurrection pour la rémission des péchés. Paré au combat, on a opté pour la mer régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel, la Bible, le son de la cloche. Le temps de la paix est proche. Le diable se rapproche, son but bête au plus grand nombre. Dans sa poche, il use de tous les ruses pour éloigner l'homme de Dieu. Bloquant celui-ci l'accès à la parole qui pourrait le rendre pieux. Autour de l'existence de Dieu, il crée des polémiques. Disant que si Dieu existait, pourquoi ce monde aussi stimule. Il endort les hommes avec ses inepties. Ceci plonge dans le péché des dents, il s'affiche. Nous on a choisi le Fils, on a choisi Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le Christ. Dès lors, le diable a décidé de nous faire la guerre. Il cherche à nous faire tomber avec ses griffes de Lucifer. De Dieu, nous nous approchons, on persévère. On affiche nos ambitions au grand jour, c'est clair. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. À jamais, nous vivons aussi dans le ciel. Paré au combat, on a opté pour la mer régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde les armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour la mer régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde les armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Au bout de ce siècle, la guerre est spirituelle. Pas de fusil à canon, on parle pas de matériel. En tant qu'enfant de Dieu, la parole nous propose des armes. Ouvrons la Bible à Éphésiens 6. On s'arme, mettons en horreur la vérité pour ceinture. Enfant qu'on ne soit jamais nu, là c'est sûr. Pour cuirasse, la justice qui esquisse la vie glorieuse du Fils. Pour chaussures à nos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix pour qui nous sommes le sel. Par-dessus tout, le bouclier de la foi pour éteindre, éteindre les traits du malin voix. Les prières nécessaires, chargées de supplications, une veille persévérante pour leur exécution. Dès lors, nous avons l'arsenal dans nos vies. Nous ne laisserons jamais faire le mal. Non, 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 ah, Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel, on tient la tête, toi tu sais t'es, nous sommes à mission. Les paramètres posés, on fonce l'imbécile. On se colle à Jésus, nous sommes comme ses pions. Thanas a crié à brailler notre foi comme des grillons. La rage de vaincre est dans notre cœur, la détermination. Comme Roger Millard dans une surface de réparation. Semblable à Carl Lewis, à la traîne. Un condamné à mort qui trouve injuste sa peine. On doit diffuser partout, n'importe où l'évangile. Le nom de Jésus doit être cité et que ça file. La Bible est notre asile, la moisson est grande, frappe. Dans le mille, la meilleure défense c'est l'attaque, la contre-attaque. On attaque, on foudroie les œuvres du malin. Surtout, on lui fait pas de câlin. Et moi, je continue à dire non, non, à Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée vont envahir la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée vont envahir la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son chapitre armée 2. Ont envahi la terre. Paré au combat, à cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme,
qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils partent vite, et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils chantent la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus. C'est le nom indiqué par l'ange avant que Marie soit enceinte. Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi de Moïse le demande. Alors, ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, on lit dans la loi du Seigneur, il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille. Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande. Deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu. Et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon, et il lui dit à l'avance. Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejeteront. Ainsi on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. » Et toi, Marie,
La souffrance te transpercera comme une lance. Il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans. Puis elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour, en jeûnant et en priant. Elle est là en même temps que Siméon et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande, ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a 12 ans, il vient avec eux comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent. Mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis ils se mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvent pas. Alors, ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoute et il leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela ? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répond : Vous m'avez cherché ? Pourquoi ? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père ? Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit. Sa sagesse se développe. Et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Sonny Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Tu es grand, mon cœur heureux s'écrit à chaque instant. Mon Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, oui, et que son cher fils est devenu mon frère, mon frère. Je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es grand. Ô Dieu d'amour, que tu es. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es.
Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Psaume 14, verset 1. Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte. Et personne ne veut être seul qui défende la justice. Mais la parole de Dieu dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13. Sois son fils Jésus, car c'est le don gratuit du Père.
pendant plusieurs années, j'étais la risée de tous. On me disait où est ton Dieu. En toi j'ai mis mon espérance, Seigneur, et la promesse est accomplie. Tu m'as donné un enfant, tu as relevé ma tête, tu as essuyé mes larmes et consolé mon cœur. Je peux crier de joie et danser comme David. El Shaddai a parlé, El Rapha a guéri, El Jireh a donné. La promesse tarde à ton âme. Je me lèverai de plus belle, car la foi
servir Jésus. Fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau Haïti. Fier de mon nom chéri. Fier de servir Jésus. Fier d'être un enfant de Dieu. Hey yo, tout ça pour te dire que peu importe là d'où tu viens, tu te dois de rester fier. Parce que c'est l'Éternel, oui l'Éternel, qui t'a placé ici, dans cette situation, dans cette famille. Et toujours, tu dois toujours marcher la tête haute, ok? Pour ma part, c'est haïtien mien. Okunda, okunda yo. Aïe. Fier de mon drapeau, Haïti. Fier de mon nom, chéri. Fier de servir Jésus. Fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau, Haïti. Fier de mon nom. Fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau Haïti. Fier de mon nom chéri. Fier de servir Jésus. Fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau Haïti. Fier de mon nom chéri. Fier de servir Jésus. Fier d'être un joie. Yeah. Beaucoup croient que je suis étouffé par les lois, mais au contraire j'ai sorti la tête de l'eau. Je peux t'a témoigné de ses bienfaits sur ce flot. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie, pas la joie. On est heureux, viens voir, on est bien, bien. Débarrassé des poids, des liens qui pesaient sur ma vie, j'ai trouvé du repos. Viens, qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie, pas la joie. N'écoute pas les on-dit, réjouis-toi. Dans sa présence, des cantiques, des louanges, des mains en l'air, des cœurs légers, quelques pas de danse. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie. Quand Jésus y a pas le bonheur, toutes ces choses superficielles sont les meilleures. Ta beauté et ton argent me laisseront de glace. Si pour que j'en profite, le péché doit faire des traces. Je suis en paix à présent dans le Seigneur. Je suis pas pressé, tout be blessed, j'attends mon heure. Notre monde n'est que des illusions. T'as un problème, son nom est solution. La joie qu'il offre se révèle être parfaite. Ne disparaît pas dès la première tempête. Tant pis, si je pars dans le vent, tu m'écoutes pas. Je te raconte ma vie, tu l'entends mais tu bouges pas. Fais pour moi une alliance avec ton Dieu. N'est-ce pas réel que c'est tard qu'on est mieux? Qui t'a dit qu'en Jésus y'a pas la paix? Qui t'a dit que je sais plus m'amuser? Oui, c'est vrai, j'ai stoppé les discothèques, mais nos veillées prennent toujours des airs de fête. J'ai plus besoin d'un coupé décalé, le son de Rebecca malopé me fait bouger. Qui t'a dit qu'en Jésus y'a pas la paix? Plus le temps passe et mes blessures s'effacent. Ma vie de prière se révèle être efficace. Sans toi Jésus, j'aurais perdu la face. Face à tous ces gens qui n'ont pas cru en ma grâce. Mais merci Seigneur, tu les as tous confondus. Je touchais le fond, une main tu m'as tendu. Et à cette fille que beaucoup croyaient perdue, le Tout-Puissant offre un destin inattendu. Qui t'a dit qu'en Jésus y'a pas la joie? Qui t'a dit qu'en Jésus y'a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas. Oh,
l'armure de Dieu, afin de tenir ferme contre l'adversaire et tenir bon dans les mauvais jours, pour être trouvé en toi lorsque tu reviendras.
sans sens. Dieu combat la vie en sens. Sans Jésus précieux pour moi, qui a appelé moi, pardonné moi, changé de moi, sans la vie moi, destiné moi, l'homme et l'amour, des jours fâchés contre moi, c'est des moments épuratifs qui cambrillent. Négatif pour moi périf, positif à l'obéissance. Dieu capable la vie en sens. Sans Jésus la vie sans sens. Dieu capable la vie en sens. Sans Jésus précieux pour moi. Saisis-moi, faut j'audir, priorité, mieux qu'on me dit, non, non, à ça, v'les freiner-moi, moi qu'à courir, pour n'y le prix, venis-moi, venis, venis, pour n'y place où, paradis, récompense-où. Là aussi, ça sensationne. Jésus précieux pour moi.
sometimes I just don't know why. Plantées tout le long de la route de ma vie. Elles veulent que je les percute au volant de ma Fenzvi. Toi-même tu sais les percuter, ça fait plus que mal. J'ai du mal à anticiper ce que ça fera plus tard. Peine, haine, rejet de moi-même. Je fais ce que je hais et non le bien que je voudrais faire. Parfois j'ai l'impression de stagner.
dans mes reins, un coup de plante m'empêche de respirer. C'est alors que je me mets à regretter ma chute charnelle qui a voulu causer mon décès spirituel. Mon péché m'empêche de me rapprocher de l'autel, là où j'adore et prie le Dieu du ciel. Mes voix sont blanchies par son sang pur, bien que rouge, il a le pouvoir de me rendre blanc. Coup dur de la vie, coup dur, coup dur de la vie, coup dur, coup dur de la vie, 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 de la vie, de la vie. J'ai besoin de toi dans mes moments seuls. Agis dans ma vie quand je suis dans la peine. Ceux qui sont descendus dans la fosse qui peuvent célébrer ta fidélité. Mais nous les vivants, Seigneur, nous voulons raconter tes bienfaits, Seigneur, et comment tu as été fidèle, Seigneur, notre Dieu. Depuis le jour où tu nous as appelés, Seigneur, et que tu as fait ta demeure en nous, Seigneur, jamais, jamais tu nous as délaissés, Seigneur. Et toujours tu as été présent dans nos vies, Seigneur. Dans la détresse, tu as montré ta tendresse. Dans l'oubli, tu t'es montré pour nous un ami. Dans l'abandon, tu as été notre consolation. Dans la frayeur, tu t'es montré plus que vainqueur. Dans la faiblesse, tu as tenu tes promesses. Et dans le désespoir, tu as été notre seul espoir. Dans la solitude, tu as été notre plénitude. Et même dans le néant, Seigneur, notre Dieu, tu as été pour nous présent. Rien n'est comparable à toi et à ta fidélité. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons chanter, Seigneur, et célébrer ta grande fidélité. Alléluia, alléluia. Mon Seigneur.
rire et pour pleurer. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Un temps pour se réjouir et s'amuser. Un temps pour s'asseoir et réfléchir. À ce que sera notre avenir. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Que sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité. Que sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Il est temps de te donner à Dieu ton heure à sonner. Reviens à Jésus ton sauveur qui t'a racheté. À quoi bon vivre cette vie si tu dois perdre ton âme? Choisis Jésus afin de vivre pour l'éternité. Vanité, laisse donc tout tomber, tout changer pour ta spiritualité. Tu cherches le lait, tu veux du miel, tu aimes les belles, tu es charnel et ciel. Tu mets les choses visuelles aux choses spirituelles. Mercedes, maîtresse, ivresse, tristesse, affaire de la terre, galère, misère. Longtemps tu tentes, ça ment, mais tu es dedans. Tu penses que ta chance avance, commence. Constance et espérance sont avec lui, puis fuis. Et suis celui qui fait le sacrifice pour te libérer du vice. Ne te trompez pas, Dieu a dit, que celui qui aime ce monde peut être son ami. Choisis le Dieu fidèle, ce choix ne sera pas vain, car il te donnera la vie éternelle, la paix et la joie que ce monde ne peut te donner. Car je le répète, mon ami, ici-bas, tout est vanité. Vanité de vanité,
t'es là, parce que là c'est pas payé. Radio Respiration FM. Politiquement, je t'aime, mais vous hommes, la jeunesse, ma chère, le groupe démocratique, le groupe de vaccinés, la Rose de Sarol et tout autre groupe de Saint-Seigneur qui a fait un travail d'évangélisation afin de capable consolider la foi de tout ce qu'il a eu qui mettait confiance en même. Maintenant, c'est nous les belles paroles, lui au Seigneur qui nous a été dans notre Dieu et toutes nos autres stations, au Seigneur, communauté que nous gagnons un peu partout à travers la capitale, Seigneur. Nous levons l'ange au Liban avec toute force, au Seigneur Dieu, et au ministère au Liban. C'est l'occasion de matin pour relever ce serviteur au Liban au éternel notre Dieu, au Seigneur Jésus, madame, ni famille, ni petite, ni éternel notre Dieu, au capable de faire un bouquet, Seigneur Dieu, au Seigneur, de remerciement de gloire vous-même, et en même temps, au rabat, bon Dieu. Permettez, Seigneur Dieu, capable de bénéficier de la chaise, des compassions, des miséricordes, des protections, des directions, Seigneur. Et accorder à serviteur de la force du peuple pour être capable de porter en avant la charge
pour confier le Seigneur, avant ça, tous vos collaborateurs éternels, notre Dieu, tous vos pasteurs, tous vos membres, tous vos fils, ceux-là, et toute finance, Seigneur Dieu, tout comité des anciens, et enfin, que l'ensemble, nous portons devant vos témoignages. Maintenant, Seigneur, c'est avec Christ, avec que ça, Seigneur, que nous approchions, c'est pas que nous gagnons un mérite, loin de là, mais c'est parce que nous mettons confiance dans nos masseurs, et parce que nous mettons confiance dans nous-mêmes, nous assurons certainement, nous pas gagner des illusions, nous pas gagner des concertations, mais plutôt c'est un changement que nous gagnons, c'est enthousiasme que nous gagnons. C'est la joie qui va animer nous et qui va faire nous lever pied pour nous porter toujours devant nous-mêmes, afin qu'ensemble avec les anges, nous sommes capables de mettre une fois par jour pour nous célébrer, pour nous proclamer le rendez-vous sans fin. Maintenant, Jésus qui te montre nos belles prières, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber à la tentation. Et Seigneur, devenons du malin. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, pour vous servir, nous allons passer à la volonté. Nous allons faire place à avoir un service sur la baguette qu'on a ressorti hier et va conclure en voie de sélection spéciale. Thank you.
Bon, je fais ça. C'est un plaisir pour que nous capables ensemble dans la maison du Seigneur, dans le deuxième dimanche, cinquième mois, année 2013, là, c'est une année de grâce. Nous remercions Maïfo France, Maïfo Josué et aussi à chaque corrigé pour belle cantique qui ont chanté à la gloire de Dieu. Et nous demandons au Seigneur pour qu'il soit capable de continuer à bénir nous jusqu'à ce que nous continuions à faire travailler, jusqu'à ce que dans la maison de Dieu, nous sommes capables de chanter le cantique nouveau. Et comme moi, nous dis, ce n'est pas juste, c'est pas sous baguette au maïsro humain, mais c'est sous la baguette du maïsro éternel, Jésus de Nazareth, l'agneau immolé qui vit éternellement. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. On y a, nous avons salué nos frères et nos sœurs visiteurs. Si vous visitez nous pour la première fois, ou vous dans une fois, nous invitons vous capables de faire vivre. On y a, campez s'il vous plaît. Si vous visitez nos matins pour la première fois, nous connaissons que le verbe n'est pas facile, mais bon Dieu produit dans la même bonne volonté pour faire vivre, que ce soit côté courrier, dehors, ou bien dans un sanctuaire directement, on est capable de camper et que l'on est capable de saluer. Nous disons bienvenue parmi nous, si vous êtes de passage à Port-au-Prince, nous espérons que raison passage, vous êtes capable d'un sujet de et réussite et de succès pour vous-même. Vous connaissez mon Dieu déjà, continuez de servir, vous ne pouvez pas connaître, on va demander, on va quitter le sanctuaire là, prendre des décisions ça, n'est-ce pas, ou ça répond à l'objectif mon Dieu de créer au public, c'est pour capable de vivre à sa gloire. Mais aussi vivre en harmonie et à édification prochaine. On va nous intéresser à toute salut, et salut intégral. Donc, que mon Dieu est capable de bénir nous et nous rappelons que nous avons 6 heures, c'est le premier culte nous, à 9 heures, nous avons l'autre culte. Et puis, dans ce moment, nous avons les activités que nous avons au courant de lui pendant que nous avons ce service-là. Encore une fois, nous disons merci parce que vous visitez nous. Nous m'allons camper toujours, nous allons finir avec vous. Et pour hier, nous avons profité de l'occasion de ça pour nous capables et souhaiter joyeux anniversaire à tout le monde qui avait fêté un anniversaire quelconque pour moi ça. Anniversaire naissance, anniversaire l'autre témoin de Jésus-Christ, salut, baptême, anniversaire. Quel que soit l'anniversaire qu'il y ait, anniversaire lors des mariés, anniversaire lors des remèdes, anniversaire lors des visas, lors des parties, anniversaire. Quel que soit l'anniversaire qu'il y ait, nous allons partir camper et que l'Église a salué, l'Église a fait souhaiter au monde joyeux anniversaire. Des fois, je fais le mois de mai, des fois, je fais le mois de mai, vous mettez camper tout le monde, quel que soit côté que nous y ait. Camper pour nous. Et l'Église a fait et salué nous. Nous disons à chacun de nous qui l'a, non seulement bienvenue comme visiteur, mais aussi joyeux anniversaire. Donc, que mon Dieu est capable de bénir nous dans Jean Pali, pas oublier texte biblique, et en particulier pour moi ça. Hein, même si bon monde qui t'a oublié célébrer anniversaire. Mais bon monde qui dit non, écrit dans la mêle. Et muraille ou yo, difficulté ou yo les vannes. Et c'est pour ça que nous demandons au campé, alors que nous avons offert au matin, ça l'église a préparé pour nous. Et c'est le maître Josué Alexis qui a fait jouer pour nous une musique spéciale pour dire à chacun de nous bienvenue parmi nous et aussi heureux anniversaire. Thank you.
Oui, donc on vient alors que nous avons Chita, nous profiter de l'occasion de ça pour nous capables de saluer notre docteur Madeleine Gardeau, que nous avons qui est avec nous matin. Nous avons Seigneur pour continuer à encourager la semaine dernière, certainement pas là pour la fête fête, et matin à Mila. Certainement, elle est accompagnée de Patrick Joanne. Et donc, demandez Seigneur pour qu'il soit capable de continuer les nuits, et en particulier, pas oublier que sinon, nous, il est écrit dans la main, Seigneur, et difficulté, nous, il y a un tracage, il y a un dossier, il y a des vents. Et pour nous terminer, Patrick, ça, demandez-nous qu'on y a, nous, capable de saluer, nous, il y a un autre en disant, Amen, bonjour, bon dimanche, salut Seigneur. Président m'a fait passer quelques annonces rapidement. Nous, d'abord, nous avons commencé avec un bagage négatif. Nous avons demandé aux gens, s'il vous plaît, en particulier les gens qui ont l'habitude de parking sur la tour de l'église derrière, dans la tour collège pour ouvrir ma classe. Et si nous avons regardé, nous avons point que il y a deux bagages que nous faisons parce que son pays, nous avons la donne tremblement de terre. Ça veut dire n'importe qui moment qui a couru, n'importe côté où on a rentré dans le pays d'Haïti, on y a gardé rentré, mais pour garder tout le monde à souci à nous. Donc, il est important pour nous garder. Si nous gardons même au niveau de l'église, nous essayons de faire aller dans tout le pays comme si pour ne pas gêner porte, par exemple. Mes amis, derrière, on le veut ou non, il n'y a pas qu'à prendre toute machine qui gagne. Donc, nous qui habitons le samedi surtout, on désordre dans la cour collège là. Ça veut dire que nous avons pris tout près de pouvoir que pas gagner et parking dans le plein. Ben, essayez de parking dehors parce que. Ici, l'on il paraît pour être dans l'aléa, nous passons 4, 5 machines, 6 machines. Donc, si vous n'y avez pas, si vous courez, comment pour nous capables de courir. Donc, je vais demander nous, s'il vous plaît, gagner assez de sagesse pour ça. Et je demande aussi à Gabien qui dans ce nous avons pris barrière. Très souvent, barrière va nous nourrir. Donc, mes amis, vérifiez que les parkings en dedans, sont machines, mais on ne peut pas rentrer parce que les parkings sont plus près. C'est pour ça que je fais tout le côté. Je pense que Baptiste et discipline, donc s'il vous plaît, pensez à ça pour nous-mêmes. Nous voulons rappeler que après Saint-Saëns, nous avons fait après service matin, nous avons fait la Saint-Saëns, après la bénédiction du service, et l'école du dimanche après l'ouvrir porté tout de suite après. Et puis à 9h, nous avons fait un deuxième culte, et à 3h, nous avons gagné à 5h30 le groupe des baptisés qui avait dirigé le troisième culte là. Mardi, si Dieu veut, nous avons gagné une étude biblique, mais avant ça, nous avons gagné un apprentissage de chant. Et puis, jeudi, si Dieu veut, nous avons oublié que nous avons fait une étude sur le prophète Daniel, au besoin et intéressé beaucoup plus à l'activité d'étude biblique. Jeudi, si Dieu veut, à 4h30, réunion avec les croyants. Et puis, à 5h30, la réunion de prière de l'église. Et si moi, si je veux, à 6h, nous avons gagné un premier culte où nous sommes capables de célébrer la Pentecôte. L'école du dimanche à Pouvry continue après. Et puis à 9h, nous avons gagné un deuxième culte où nous sommes capables de célébrer la Pentecôte. Et puis dans la soirée, troisième dimanche, le dernier culte dirigé par la jeunesse où nous sommes capables de célébrer la bonne chose. Nous voulons rappeler aussi que dimanche, Dieu veut que c'est la journée internationale des géants. Alors, dimanche, Dieu veut, il correspond pour nous à plusieurs activités. Premièrement, nous connaissons que sur le plan local, depuis que nous sommes venus là, nous faisons le troisième dimanche en journée de famille. La prédication a toujours rapport à la famille. Mais deuxième activité, c'est sur le plan liturgique chrétien. C'est la Pentecôte. Troisième activité que nous avons gagné, c'est le 54e anniversaire choral et de jeunes dirigés par le maître Moïse Abraham, qui chantait sur le troisième dimanche, ça fait 54 ans déjà.
Et depuis Jésus-Dieu veut, nous rappelez-nous que Jésus-Dieu veut, la chorale Moïse-Abraham, celui qui avait dirigé et culte de prière là. Donc, moi, demandez-nous pour que nous soyons capables de venir dans une célébration spéciale que la chorale, cette chorale Seigneur de l'Église a fait et gagné. Et moi, rappelez-nous tous, nous avons fait en sorte que l'offrande recueillie dans ce culte, est capable, ce culte de prière, est capable d'aller à la chorale Abraham. Donc, demandez-nous plus d'un. Venez donc, mes frères et mes soeurs en Christ, à la nouvelle institution Sayo, qui gagne tout le temps Sayo, en même pensée à Yo. Mais dans le cas ça, nous rappelons que le quatrième dimanche, il prend le moment de famille que nous allons gagner, malgré tout le monde sous ça, gagne aussi le standard ménager qui a été célébré et sans ni. Donc, vous pourrez le séjour qui pourra gagner une belle activité après le culte de 9h dans le même standard ménager. Donc, quatrième activité qui a gagné tout ça, c'est la journée de Gédéon International. Nous connaissons que groupe Sayo, Radio, Lumière, Société Biblique, Gédéon International, en même cadre pour première église baptiste qui fait en église. Donc, nous gagnons dans les deux cultes de dimanche prochain, comme nous l'avons fait l'année dernière. En fait, nous allons gagner le message des Gédéons, mais aussi nous allons gagner en deuxième offrande pour que nous soyons capables de soutenir le ministère des Gédéons et de Gédéons International. Moi, rappelez-nous que dans le mois de juin, le prédicateur qui l'a eu, ils ont besoin comme ça, chaque mercredi, dans le mois de juin, à compter de 1h de l'après-midi, on va nous avoir gagné examen le baptême pour nos frères et sœurs qui voulaient faire pour les congrégations locales. Donc, enregistrez-nous pour que nous ne gagnions plus nous, on mercredi, et puis on l'autre mercredi, nous sommes presque à gagner. Je voulais rappeler aussi que dans le mois de juin, nous avons gagné une activité, nous recevons une correspondance de la radio 4DH au Cap-Haïtien qui vient pour fêter 63e anniversaire de Radio A. Donc, il y a gagné pour nous être capables de venir à Port-au-Prince pour tout le monde connaît, en particulier les gens qui sont dans l'Orient Nord ou bien qui servent avec Internet. Je connais qui est important, Radio 4VH, depuis 63 ans, gagné sous PIA, sous terrain. Et moi, c'est une radio qui forme moi dans l'école du dimanche, etc. Donc, nous allons gagner pour que nous soyons capables de vivre plus sous ça toujours. Moi, je voulais rappeler à tout prédicateur et à tous frères et sœurs qui l'a. Nous, l'église là, la première église baptiste de Port-au-Prince, l'a fait fermer à public, là, l'a fait fermer à toute activité, culte, enterrement, mariage, entre eux, le 27 et le 31 mai. Ceci, lundi 27, pour nous arriver vendredi 31 mai. L'église y avait fermé. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans parce que nous avons besoin de nettoyer. Nous gardons nos voies que l'église là, il parle. Donc, ce sanctuaire-là, il parle. Donc, nous avons fermé. Et pour jour Sayo, tant que vous voulez, pas programmé un serment pour l'époque ça, pas programmé. Donc, bien entendu, sous programmé un serment. Nous avons déjà dit ça, donc ne laisse pas, parce que l'église nous va réunir pour étudier l'église et réunion de prière dans l'auditorium. Donc, si vous voulez aller en terme dans l'auditorium, nous ne mettons pas de problème, mais nous disons que entre date 27 et 31 mai, l'église y a été fermée à toute activité publique pour que nous soyons capables de faire ça, nous devons faire la donne. Pour nous nettoyer, parce que dernièrement, regardez Radio Lumière, c'est bien là, c'est les lumières, ma pétrie est bonne, vous écoutez, on va lever cette liste, pour ne pas garder quelque côté, vous comprenez? Donc, moi, je crois qu'il faut nous laver, qu'on nous nettoyer. Donc,
place. Mandez-nous pas tant qu'il vous plaît, parce qu'il y a ça pour nous. Pendant ce temps, il y a une annonce que je vais faire là, que je m'appelle. Mandez-nous en plus de ça, week-end de famille dans ma ville. Il avait commencé depuis 26, depuis jeudi, pour nous capables de finir le 27, le 26. Fabrier, toute activité de l'église là, suspendue. Toute activité de l'église là, suspendue.